Que la riche bénédiction de Dieu soit avec vous ce dimanche matin, que nous sommes venus commémorer sa résurrection d'entre les morts. Et cette résurrection, ce n'est pas un slogan, on les a pas ramalobaya ou l'obabate, mais, et c'est mieux comme un beau mouille. Quand on a dit qu'il y a un lycée qui a un colo Yesu, et c'est mieux que comme un lycée qui a un gai na yo. Ouais, donc ce n'est pas quelque chose qui a un loba. Non, c'est une vie. Romains chapitre 8. Nous parlons toujours avec des références bien précises. Ouais, donc c'est la raison pour laquelle que nous sommes venus commémorer cette résurrection, parce que par cette résurrection que nous recevons une vie qui est différente de cette vie. Si souvenez-vous, nous parlons souvent de cette mort qui est avec nous, que nous marchons avec elle. Oui, donc cela veut dire qu'il nous faut la vie. Et cette mort qui est en nous, qui marche avec nous, c'est une ombre. Vous comprenez? Donc vous devez faire un effort que cette ombre, qui est composée d'une partie lumineuse et d'une autre partie qui est obscure, la partie qui est lumineuse puisse dominer la partie obscure. Vous comprenez qui est les ténèbres qui règnent dans ce monde ici. Ouais. Donc si vous demandez à Dieu, vous priez souvent, vous allez voir que le Seigneur va vous ouvrir les yeux pour voir que la journée que nous voyons ici, spirituellement, donc vous allez voir que non, il y a les ténèbres partout. La nuit règne encore. Donc cela veut dire pas de la manière que quand nous dormons, cela veut dire il y a des ombres ténébreuses qui règnent. La lumière du Seigneur est parmi ceux qui l'invoquent, ceux qui gardent ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses statuts, ses lois. Vous comprenez? Comme cela nous est dit dans le psaume 119. Voilà. Donc cela veut dire quand on rejette quelque chose, nous devons nous retourner, se ressaisir dans la repentance et mettre nos vies en ordre. C'est ce que nous sommes venus parler ici. Parce que l'inconscience de l'idolâtrie, ça se passe dans beaucoup de nous sans tenir compte. Et cela excite souvent la colère de Dieu à nous. Et cette partie ombre qui est la mort vient. Vous comprenez, c'est pourquoi l'un de ces quatre matins, on est surpris en voyant quelqu'un qui est avec nous, il n'est plus. Vous comprenez, avec ce qui nous arrive aujourd'hui, avec beaucoup de circonstances, des accidents, vous comprenez, soit des voitures, des accidents de cervelle, vous comprenez, quelqu'un qui dormait comme ça vous dit que non, il a piqué une crise et il est parti. Et toutes ces histoires-là qui nous arrivent, pourquoi? Parce que cette partie obscure domine plus que la partie liminaire. Vous comprenez? C'est ça le Seigneur. Et cette partie a pris place, domine à cause de quoi? Parce que les gens se sont habitués avec Dieu. Qui sont-ils? Ce sont premièrement ceux qui se tiennent derrière la chair et avec cette Bible dans leur main. Vous comprenez? Donc cela veut dire à cause de quoi? À cause de la popularité, à cause des richesses, de richesses, qui sont devenus riches. Donc ils se sont enrichis illicitement. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'ils ont pris le nom du Seigneur comme un outil pour faire de l'argent. Et c'est ce qui fait en sorte que non, quand vous vous êtes plongé sur ce qui est matériel et la popularité, tout le monde sont là, ils voient quelque chose qui est hors de la parole, comme si cela est bon et puis ils s'abandonnent et ils croient que non, ces sentiments qui nous animent avec les instruments, le son musical combiné, d'une manière agréable, ce qui nous fait danser avec des 3-4 guitares, vous comprenez, de la batterie et ainsi de suite, avec de belles voix que des sœurs et de frères ils ont. Et les gens pensent que cette combinaison de sons, vous comprenez, c'est de voix, ouais, dans cet art artistique, mis, donc, tous ces instruments musicaux, vous comprenez, mis ensemble, et qui fait sortir des sons agréables, et les gens pensent que c'est ça le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, quand il est attriste comment quand la parole est mal interprétée.
Et c'est ça même le début, c'est ça même le pouvoir de la mort. Remarquez, quand nous vous faisons toujours retourner dans Genèse, c'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que dans Genèse, si vous remarquez, c'était la malinterprétation des Écritures qui a fait introduire la mort, la partie obscure. Ouais. Et cette obscurité domine plus aujourd'hui à cause de quoi? Parce que là, c'était un seul mot, mais aujourd'hui, ce plaisir, c'est peut-être 70% de la Bible est mal interprété. Voilà. Donc, ça veut dire Dieu est dans sa parole. Vous vous souvenez? On parlait du mariage et du divorce et de la polygamie. Est-il un péché ou pas? Vous comprenez? Est-elle, pardon, un péché ou pas? Vous vous souvenez? Donc, c'est là où nous nous sommes limités autrefois parce qu'on devait continuer sur notre enseignement que nous sommes en train de parler parce que nous avons besoin de lui ressembler. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Nous devons retrouver notre identification correcte en Christ. Nous devons retrouver son image et sa ressemblance que nous avons perdue dès la naissance dont nous sommes venus sur ce monde ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle que nous venons parler de ces choses en mettant cette pyramide qui est la stature parfaite d'un homme. Voilà. Donc, le dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons retourner là-bas parce que nous avons vraiment besoin de nous retrouver dans l'union invisible. Ouais. Donc, sans cette union invisible, nous sommes des mortels. Nous nous ressemblons à ceux qui invoquent la dimension d'en bas. Vous comprenez? Donc, pour être ceux d'en haut, nous devons refléter le ciel étant sur la terre. Parce que cette puissance créatrice de Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est le temps que cela se puisse se retrouver en nous. Vous comprenez? C'est pourquoi nous nous lamentons, nous implorons le Seigneur, nous nous inclinons. Nous essayons de faire un effort de mettre nos vies en ordre parce que le temps que nous vivons, le péché est devenu goût, le péché est admirable, le péché est vraiment, je ne sais même pas, jusqu'à adorer. Donc si nous ne faisons pas attention, nous serviteurs, nous fils, nous filles de Dieu, donc c'est vraiment pitoyable. Souvenez-vous, laisse-moi vous dire ces choses sur cette introduction, c'est très très important. Le Seigneur nous en a parlé dans Luc 17, versets 20 à 30. Quand les disciples lui ont posé la question, en lui disant, « Seigneur, parle-nous de l'avènement du Fils de l'homme. » Ouais, n'oubliez pas, c'est l'une des promesses du jour où nous vivons. Luc 17, versets 20 à 30. C'est très, très important. À chaque fois que quand nous sortons, nous regardons le monde, dans tout le lieu que nous pouvons aller, nous retrouvons, les lieux n'auront aucune influence sur nous. Si nous gardons ces commandements, si nous sommes devenus des paroles, la parole qui est en vous fera en sorte que dans n'importe quel lieu que vous allez vous retrouver, cette parole résonnera en vous et fera en sorte que non, vous puissiez directement discerner, examiner les choses et placer chaque chose que vous regardez à sa place. L'habillement, tout l'atmosphère qui régnera dans tous les endroits où vous irez. Vous comprenez? Même vous qui faites la politique dans la société, dans la compagnie où vous travaillez, dans la famille, dans un endroit où, dans un bistrot, je ne sais même pas, dans l'hôtel, partout où vous irez, dans une église, vous serez capable d'examiner les choses, d'avoir un bon esprit de discerner les choses à cause de quoi? De la parole. Si vous avez la parole bien interprétée en vous, les mystères de Christ que nous vous enseignons ici, cela fera en sorte que vous aidera. Par quel moyen? Par lui, le Saint-Esprit, d'être capable de bien discerner et d'examiner chaque pouce des choses qui se passent. Vous comprenez? Et en lui posant cette question, le Seigneur leur a répondu. Vous comprenez? Que ça sera comme au temps de Noé en premier. Qu'est-ce qui s'était passé au temps de Noé? 8 âmes simplement étaient sauvées. Et le Seigneur leur a donné encore un exemple autre. Du temps de quoi? De Sodome et Gomorre.
Combien de personnes étaient sauvées? C'était 3. Voilà. Donc nous devons faire attention parce que l'obscurité règne. Et l'obscurité tire son origine de la mort. La mort a tiré son origine d'où? De la malinterprétation des Écritures. Vous comprenez? Quand les Écritures sont mal placées, le Saint-Esprit n'est pas là. Alors la lumière de nos vies, la lumière de nos âmes, la lumière de chaque mortel chrétien qui invoque Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce que nous venons ici pour vous éviter d'elle, c'est quoi? C'est une vie formaliste de prétendre d'être un chrétien, mais cette lumière, vous comprenez, mystique, qui est Christ, n'est pas en vous. Parce que si cette lumière est en vous, fera en vous un homme, une femme indépendante. Pourquoi? Parce que vous êtes un membre, pas dans une dénomination, dans quelque chose qui est fait de mes hommes, vous êtes un membre dans le corps mystique du Christ. Là, les Écritures sont correctes. Il n'y a aucune Écriture qui soutienne, vous comprenez, d'être un membre dans une dénomination, dans quelque chose qui est fait de mes hommes. Vous comprenez, quelque chose qui vient d'une pensée humaine, une pensée illusoire. Mais quelque chose peut sortir de cette pensée si cela est conforme aux Écritures et aidera les gens à atteindre Christ, la perfection, et de devenir de Christ par son corps mystique et Christ. Parce que chaque partie de ce corps, c'est une partie Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur parlait dans Matthieu 24, il s'élèvera de faux Christ et de faux rois. Voilà. Pourquoi il a utilisé le mot Christ? Peut-être on pouvait se poser des questions parce que les gens peuvent dire que Christ est simplement lui. Alors que mon Christ veut dire une onction venant de Dieu. C'est une portion, c'est la vie Zoé. Dieu qui se divise, la colonne de feu, une lumière. Vous comprenez? Une partie de feu est venue vers vous comme au jour de la Pentecôte, le lamp de feu. Cela veut dire la colonne de feu. Frère Branham dit c'est divisé. Voilà, c'est retrouvé dans tout un chacun d'eux qui était là dans la chambre haute. Et quand il parlait, il prophétisait, il chantait, il prêchait, c'était du feu qui sortait. Voilà. Mais si on reste là, borné, cela veut dire nous serons incapables de voler. Quoi que vous avez des ailes, ce seront des ailes amères. Voilà. On avance. Sur ce qu'on était en train de parler, on avait donné beaucoup de versets à ce point-là avant que nous puissions lire les Écritures, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans peu de temps, vous comprenez? Et puis vous allez comprendre que nous, en parlant de cela, nous avons vu que nous avons tout donné sur les mariages et divorces. En vous parlant, quand est-ce que cela pouvait arriver? Et comment éviter les divorces dans nos mariages? Vous comprenez, le mariage, quand l'homme et la femme se marient, en se mariant, dès ce jour-là qu'on a tout payé, on a tout régularisé, on est béni, on a reçu cette bénédiction nuptiale, ainsi de suite, on est encore un et deux. Mais l'Écriture voulut, vous comprenez? Quand je dis un et deux, ça veut dire qu'il y a un homme qui se place ici, il y a une femme qui se place là-bas. Vous comprenez? Deux personnes différentes. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces deux personnes différentes puissent devenir un? Parce que la bénédiction a été prononcée et cela vous a été donné par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu qui a ouvert la Bible en lisant les Écritures et en vous bénissant ces jours-là. Mais cette bénédiction se repose en vous, mais cela ne peut pas être quelque chose qui vous réunira, fera en sorte que vous puissiez devenir un directement ou soit instantanément. Non. C'est juste un début comme on parle ici sur la pyramide de Dieu. Vous comprenez que quand quelqu'un vient en Christ, la première des choses c'est quoi? C'est la repentance, la confession, pour montrer que non, son baptême est authentique. Cela veut dire ce baptême qui l'aura cet homme-là. Pour être que ça puisse être un baptême authentique, sa confession, c'est ce qui gardera l'équilibre, ce qui fera l'équilibre, sa repentance. Si cela n'était pas une bonne repentance, il avait caché quelque chose en soi,
bien qu'il peut faire des miracles, parler la langue, faire toutes ces choses, prêcher des révélations, des miracles, cet homme-là n'aura pas la plénitude du Saint-Esprit. Il va se limiter qu'avec l'onction du Saint-Esprit et il serait incapable de ramener les gens à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il cache quelque chose et cette chose ne peut rien, ne peut être rien d'autre que quelque chose du ténèbre. C'est ça le diable. Vous comprenez? C'est comme Achan. Dans notre cas, dans nos églises, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Achan. Quand ils étaient arrivés dans Kadesh Barnéa, vous comprenez, les enfants d'Israël avec Josué en tête, avec celui qui était avec lui, Caleb, voilà. Ils n'ont pas compris que non, il y avait des enfants d'Israël qui sont tombés, ils sont morts. Mais ils se sont posé des questions, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur est avec nous, nous marchons dans la nuit avec la colonne de feu pendant la journée, la nuit de gloire est là. Qu'est-ce qui nous arrive? Quoi? Pourquoi est-ce que les saints doivent mourir? Instantanément comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Josué a ordonné qu'ils puissent faire des jeûnes. Et ils se sont entrés dans le jeûne en priant, en se répandant. Une prophétie s'est surgie. Vous comprenez, à quand il a reconnu ce qui était sorti et il est venu dire que non, c'est moi qui a volé les lingots d'or des Chinéens et je les ai cachés. Vous comprenez? Il voulait prendre quelque chose d'ailleurs pour les ramener dans le pays de la promesse de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Et cela fait en sorte que non, c'est ce qui nous arrive, nous tous. C'est ce qui introduit des maladies, de la mort, de la faiblesse, de la pauvreté, du freinage, du blocage, vous comprenez, du célibat et toutes ces choses-là. Voilà. Et ce qui a fait en sorte que non, quand il est venu, confesser en retard après avoir écouté la prophétie, Josué a ordonné qu'il soit aussi, qu'on puisse l'abattre. Et il était mort. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là, ils étaient dégagés et ils ont traversé le Jourdain, ils ont hérité le pays de la promesse. Voilà ce qui nous arrive souvent. C'est ce qui fait en sorte que non, on n'y arrive pas à cause de quoi? Parce qu'au départ, ici, beaucoup de gens cachez quelque chose. Et si vous cachez cela, sachez-le que non, votre dénomination ne vous amènerait nulle ailleurs. C'est pourquoi un bon serviteur de Dieu, un bon Éphésiens 4, quelle que soit sa grandeur, quels que soient les éloges, tous les miracles qu'il pouvait faire, cela ne pouvait pas faire en sorte qu'il puisse écouter. Mais il doit s'abandonner complètement pour former quoi? Un corps dans son ensemble. Vous comprenez? Ramener les gens parce qu'il est un esclave. Il devait faire un effort d'amener ces gens à atteindre ici. C'est ça le rôle. Et c'est quand vous amenez les gens à atteindre ici, c'est à ce moment-là que vous serez fiers de vous-même en rendant gloire à Dieu dans l'humiliation que vous êtes un bon auxiliaire du prophète. Si ce n'est pas le cas, sachez-le que vous êtes en train de travailler pour le malin parce qu'il est là dans l'église plus que dans le monde. Voilà. Donc, c'est pourquoi on avait parlé de cela. Donc, ça veut dire, c'est un ignoble que beaucoup de gens pensent que dès ce jour-là, ils sont devenus un. Non. C'est comme ça. Quand quelqu'un vient en Christ ici, il confesse, beaucoup de gens disent que non, dès ce jour-là, vous êtes devenu chrétien, vous avez reçu le Saint-Esprit. Non. Donc, il y a une marche ici à suivre. Voilà. Donc, ça veut dire, dans cette marche, cette première étape ici, c'était simplement la justification. Voilà. Donc, dans toute la vie du prophète, dans toute sa vie, il nous a prêché ces trois étapes de la grâce. C'est très, très important. Si on ne répète pas ça, nous n'y arriverons pas. Vous comprenez? Et ce qui aveugle beaucoup de gens dans cet âge de la Odyssée, d'Apocalypse chapitre 3, 14 à 20, que beaucoup de gens se trompent. Voilà, pour qu'ils se sentent enrichis, ils croient que Dieu est dans les matériels. C'est ce que nous avons parlé ce matin. Vous comprenez, c'est ce qui a amené beaucoup de gens dans l'idolâtrie sans le savoir, inconscient. Ils sont des idolâtres dans des églises, dans des ensembles, dans des tabernacles. Vous comprenez? Voilà, dans toutes ces choses-là. Voilà. Et vous allez quitter cette première étape pour atteindre la justification. De la justification, vous allez atteindre la sanctification. Vous comprenez?
La seconde étape de la grâce et la dernière étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez, le feu vient consumer les serpents. Et ce serpent qui est le malin dans votre cœur ne peut fuir que s'il voit le feu. Sans le feu, il va résister. Il résiste à tout point parce qu'il connaît la parole. Vous comprenez, là où vous faillissez, vous interprétez mal, lui, il est là. Il résiste encore. Jusqu'à tel point que le feu descend. Et le feu descend, comment? Il a dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole. De la révélation du jour. Vous comprenez, c'est que lui, il est venu dans sa seconde venue avec un petit livre ouvert. C'est ce qui fait fuir les serpents en nous. Sans cela, il est là jusqu'à la mort. Il t'amène en bas. Vous comprenez? Et tu passeras dans le jugement. Et le jugement, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais d'autant plus que vous reposez sur la révélation du jour, l'Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, l'ange puissant qui est descendu, Christ, la colonne de feu, la nuée de gloire, il s'est tabernaclé ici, dans son saint prophète, pour que l'épouse tout entière puisse écouter cette voix et recevoir la vie révélative du jour qui est Christ identifié dans son prophète et dans tous ses fils et ses filles. Vous comprenez? C'est ça la vie Zoé dont nous venons ici pour parler. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, nous avons vu que c'est la même chose aussi dans les mariages. Pourquoi? Parce que ici, nous vivons l'âge du mariage. Christ est venu se marier avec son épouse. La raison pour laquelle il ne s'est pas marié. Il était un homme, il avait aussi des désirs. Vous comprenez? Il s'est privé pour cette union invisible de l'époux avec son épouse. Mais nous constatons que beaucoup, nous n'y arrivons pas. Et c'est difficile à beaucoup de gens. C'est pourquoi le Seigneur leur avait dit, dans Luc 17, verset 20 à 30, que non, ça serait comme au temps de Noé. Peu de gens vont suivre ces chemins. Beaucoup abandonnent. Vous comprenez? Donc voilà. Et ce qui peut faire en sorte que vous puissiez devenir un, quand vous écoutez la parole, vous vous abandonnez sur une même foi, l'homme et la femme, la révélation du jour qui va vous construire et faire en sorte que femme et homme puissent devenir un par la parole que vous écoutez. Comme la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà comment est-ce que nous devons devenir un dans le mariage. Et si vous n'arrivez pas, vous n'y arrivez pas, les conséquences, c'est des divorces. Oui, on y est. Vous comprenez, les conséquences des mariages formalistes, les gens là sont là que pour les enfants, sont là que parce que les gens vont voir que non, ceux qui bokabwa les a sonni. Vous comprenez, c'est ça. Et nous vous avons donné des écritures, vous connaissez, c'est la prédication précédente, vous comprenez. Donc cela veut dire, ce n'est que au cas de la fornication ou soit des choses, peut-être la serre avec cachée avant le mariage, quand le mari va découvrir ça, il va dire non. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas une femme qui était sincère envers moi. Lui étant le Seigneur, il a le droit de rompre le lien, vous comprenez. Et vous comprenez, la femme qui va rester là-bas ne va plus se marier. Vous comprenez donc, c'est un peu ça. Et il y a beaucoup de choses qu'on avait expliquées là-bas, donc on ne peut pas retourner à entrer encore dans le détail. Et nous avons retourner à prendre du côté de la polygamie. Nous avons dit qu'il n'y a pas une écriture qui soutienne la polygamie et il n'y a pas aussi une écriture qui condamne la polygamie. Mais il y a des écritures qui disent ce que nous vous avons lu, Éphésiens chapitre 5. Vous comprenez? On avait lu ça là-bas avec d'autres écritures. Voilà. Et en se appuyant sur la nouvelle alliance qui avait commencé sur Genèse chapitre 3, je pense. Verset 16, quand l'Éternel Dieu avait donné l'autorité à l'homme de dominer sur la femme. Parce qu'au commencement, quand Dieu créa la femme, était une partie féminine de l'homme. Et Dieu a fait sortir la partie féminine. Vous comprenez? Et il a formé la femme. Mais dans la création, la femme n'a pas été sortie de l'homme. Elle s'est trouvée dans l'homme.
Vous comprenez? C'est ce qui appuie cette écriture que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, l'aider à devenir une seule chair. Vous comprenez? Un vrai mariage après cette bénédiction nuptiale qui s'abandonne dans la prière, dans l'écoute de la parole, c'est ce qui fera en sorte qu'il puisse retourner sur cette écriture de Genèse chapitre 2 que nous vous avons lu ici. Vous comprenez? Je pense qu'on a. Pour gagner le temps, je ne pouvais pas tout lire. Donc, si vous retournez là-bas, vous allez voir. Comme le Seigneur parlait dans ce chapitre 2, verset 24 jusqu'à 25 là. Voilà. Donc, ça. Et Adam faisant cette déclaration mémoriale, voilà, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera Ève, femme. Pourquoi elle est sortie de lui? La femme, c'est une partie féminine de l'homme. Vous comprenez? Et si vous n'arrivez pas à vous attendre, il y a toujours des problèmes, posez-vous des questions. Soit vous vous retournez à la parole, ou soit il y avait quelque chose qui n'était pas mis à nu. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que la femme a caché qui peut vous empêcher sur votre marche dans le mariage. Si vous aurez beaucoup de conséquences, nous en avons beaucoup d'exemples et même des expériences. Vous comprenez? Alors, vous allez remarquer que non, nous avons dit que non, si par cette alliance de Genèse 3, chapitre 16, que Dieu, après avoir la femme, a écouté les serpents, elle s'est servie de son air cochléaire à écouter les malins, lui faire résonner sur la parole, comme beaucoup de gens en font aujourd'hui. Ils s'abandonnent à résonner sur la parole, on ne résonne pas sur la parole. Et beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, surtout les dons des prophètes dont nous avons aujourd'hui dans le monde, qui ont un esprit de séduction, qui se sont emparés des églises. Vous comprenez? Ces gens-là, ils ont un esprit séducteur. Vous comprenez? Et avec les esprits séducteurs qui ont pris possession des églises aujourd'hui, vous comprenez? Avec des miracles et des prodiges, de parler en langue et toutes ces choses-là, ce sont eux qui vous font résonner sur la parole. Ce sont eux qui vous amènent à réfléchir. Vous comprenez? Et vous n'aurez aucun équilibre spirituel sur Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce sont des gens que le diable a sus. Je dis bien le diable. Je ne mange pas le mot. Vous comprenez? Comme le président Tshisekedi parle, lisez sur mes lèvres. Vous comprenez? Donc, ne lisez pas sur mes lèvres à moi, étant un imam, mais lisez sur les écritures. Vous comprenez? Vous allez voir qu'il y a beaucoup des écritures, comme Matthieu 24, que je vous ai dit ici, il y aura de faux ouais et de faux Christ. Vous comprenez? Et faux, un Christ, c'est un prophète. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vient avec la parole. C'est pourquoi dans le temps d'Élie, dans l'Ancien Testament, vous comprenez, le fils des prophètes, les enfants prophètes, le fils prophète venait à Élisée lui parler des choses que le Seigneur va retirer ton maître. Ton maître va te quitter. Vous comprenez? Il sera pris. Et Élisée leur dit, oui, je sais. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils étaient des paroles. C'est ce que nous devons devenir. Voilà, entre homme et la femme, frère et sœur, serviteur de Dieu. Si vous n'êtes pas prudent avec ces esprits séducteurs, sachez-le que nous allons nous retrouver. C'est parce qu'ils tuent leur influence d'en bas. Vous comprenez cela? Nous allons parler en retournant ici sur les dimensions. Vous comprenez? Donc voilà, on s'est appuyé sur plusieurs écritures. Vous comprenez? Quand l'homme a pris cette autonomie, et le diable aujourd'hui, avec ses serviteurs et les gouvernements de ce monde, pourquoi ils ont fait le conseil œcuménique des églises? Vous comprenez? Et ce conseil œcuménique des églises leur permet à écouter les malins par cette pyramide que nous vous avons mis ici, les Illuminati. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ramener le monde à contredire les Écritures. Donc nous sommes arrivés dans ce temps où il y a le conseil œcuménique qui veut dire les gouvernements, l'église. Les églises et l'État se sont fusionnés. Remarquez, il vous amène, nous allons entrer là-bas, quand nous allons lire les Écritures. Vous comprenez?
Permettez-moi que je puisse m'arrêter là. Donc, mais, bref, ils nous disent que l'homme et la femme sont égaux. Ils nous disent que l'animal et l'homme sont égaux. Ils ont les mêmes droits, tout ça ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, dans des pays occidentaux, donc, ça veut dire, on prend même la femme et les animaux au-dessus de l'homme. Vous comprenez? Donc, c'est un peu compliqué. On va y entrer et parler de ça. Voilà. Donc, en retournant sur cela, quand dans cette alliance, l'homme a pris l'autonomie, vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte que les malins vous parlent de l'autonomisation de la femme, ça veut dire l'égalisation de l'homme et de la femme. C'est la contredit des Écritures. On en disconvient pas, on ne refuse pas à la femme de travailler. Non. On étudie pour avoir un travail. La femme, le travail qu'elle aura, c'est pour être avec son mari joyeux, avec ses enfants, avec sa famille, et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais cela ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Mais cette autonomisation, aujourd'hui, nous avons vu que ça permet à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, à dicter même. C'est ce que nous allons parler ici. Mais terminons sur la polygamie. Nous avons vu qu'il n'y a rien qui soutiennent ça sur la Bible, il n'y a rien aussi qui condamne ça. Si vous vous voyez, nous avons donné des exemples, que c'était en 1948, avec la colonisation, avec la papauté romaine qui était descendue en Afrique, qu'on est venu imposer à ceux qui vivaient paisiblement. La condition n'est qu'une. Cette condition est que si vous vous sentez avoir plusieurs femmes, vous devez l'aimer d'une même manière, d'une même façon. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question d'aimer celui-ci avec 30%, l'autre avec 60%, l'autre là avec 50%, l'autre non. Donc, ça veut dire, si vous donnez 50-50-50 à tous les cadres, à toutes les quatre parts. Si 3, 50-50 à toutes les... Si vous donnez 100%, 100% ici, 100% ici, 100% ici. Là, l'exécutif ne va pas vous condamner. Vous comprenez? Vous aimez comme Christ Jésus, qui aime bien son épouse, sans pour autant faire l'acceptation de ceci, cela, et quoi, ainsi de suite. Non. Voilà. Donc, l'amour parfait. Mais si vous êtes incapable d'avoir cet amour parfait, alors mariez-vous qu'à une seule femme. Vous comprenez? C'est ce que moi je dis, que ça m'est même difficile. Voilà. Donc, si vous voyez que non, vous aurez cette capacité de les aimer. Vous comprenez? Comme ça. Alors, avancez. Si vous êtes venu en Christ avec vos deux femmes, trois femmes, ne faites pas en sorte que de rester avec elles et de dire que non, allez-y là-bas, ça c'est la papauté romaine. Non. Ramenez les trois dans la parole, qu'ils puissent être enseignés, qu'ils puissent être enseignés selon le prophète et les apôtres. Cela fera en sorte que vous allez demeurer toujours en Christ. Mais si l'une d'elles avait caché quelque chose en elle avant le mariage, quand vous êtes converti en Christ, vous allez voir qu'elle va quitter par elle-même. Et vous allez rester avec celle qui vous aime de tout son cœur. Vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas capable de les aimer d'une même manière, d'une même façon, d'une même équilibre. Vous comprenez? D'amour, ne faites pas ça. Vous comprenez? Ne faites pas ça. Donc voilà, on n'est pas contre ça et on n'appuie pas aussi la polygamie. Mais on vous donne les écritures qui sont là-bas, qui vous montrent si vous êtes capable, allez-y. Si vous ne l'êtes pas, au commencement, là nous retournons sur ce que le Seigneur avait répondu, comme nous avons lu les Écritures dans Matthieu, chapitre 19, vous comprenez. Donc, voilà. Donc cela veut dire, quand ils sont venus, que Moïse nous a permis de donner une lettre de divorce, de répudier la femme, même si à l'ambiguïté, Bengani, c'était comme ça avec les Juifs. Vous comprenez. Donc alors, qu'aujourd'hui nous voyons les gens qui retournent là-bas, donc ils voient comme si donc, nous n'avons pas une foi. Pourquoi? Ils fuient ce que la révélation du jour est venue nous dire. C'est ça, c'est que le diable fait. Et ils retournent vers les loges juifs pour venir ici avec les noms de Yoshua, Mashiach. Ça, c'est pour les juifs. Moi, je ne suis pas juif.
Nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes les gens des nations. Vous comprenez? On vous a donné les Écritures ici dans Actes 2, que non, quand ils étaient sortis au jour de la Pentecôte, ils parlaient dans plusieurs langues. Et les gens qui séjournaient à Jérusalem ce jour-là, ils les attendaient dans sa langue maternelle. Est-ce que c'est clair, les Écritures? Pourquoi voulez-vous nous amener dans un réveil passé? Vous comprenez? Pourquoi voulez-vous nous amener dans quelque chose qui est tombé déjà? Là où on a régné Christ, eux-mêmes, ils attendent de reconnaître selon ce que le prophète Zacharie nous a dit. Selon ce que l'apôtre, le prophète Paul nous a dit dans Romains chapitre 11. Et quand ils vont reconnaître Christ, l'épouse du Christ, l'Église, les gens des nations, ils devaient déjà être dans le royaume. C'est ce que nous venons vous préparer les gens ici et nous préparer. Vous comprenez ça? Au lieu de regarder sur les uns les autres. Non! Vous comprenez? Ici, quand on rejette ce mystère révélé du jour ici, du septième ange, de la septième étoile, vous comprenez? Le prophète qui a rougi dans ce temps de la fin, sache-le. Vous allez là-bas, vous venez avec les Wachamash et en chantant cela dans des cantiques, ne vous donnera rien d'autre que ce qui sort de l'auge du feu. Vous comprenez? Un réveil passé, quelque chose qui est déchu, qu'ils attendent leur grâce comme Romains 11, l'apôtre Paul nous l'a dit. Vous comprenez? Nous devons nous asseoir sur ce que le Seigneur est venu. Il était rejeté ici et il est venu vers nous ici. Il s'est révélé au moyen de son septième ange. Et les gens, comme ils ne veulent pas la révélation, c'est ceux qui s'appuient sur le diable. Le diable est l'ennemi de la révélation 10. Quand je dis la révélation 10, la révélation c'est l'anglais, Revelation 10. En français, l'Apocalypse 10 est l'ennemi du diable. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup sont allés là-bas. Voilà. Maintenant, nous allons lire les Écritures et avancer pour voir ce qui veulent encore, il y a encore des petites questions à se poser à ce qui concerne les mariages et divorces et la polygamie. La prédication est là, donc c'est une prédication ou c'est un enseignement récent. Vous allez là, vous avez tout votre temps d'y écouter. Nous allons lire les Écritures rapidement parce que nous allons lire des longs chapitres. Donc voilà. De 1 Roi chapitre 17, verset 1 jusqu'à verset 16, et nous allons lire 1 Roi chapitre 22. Et puis nous allons avancer avec les Écritures. Lisons 1 Roi chapitre 17, et nous allons lire 1 Roi chapitre 22 pour voir ce qui se passe aujourd'hui et se poser des questions à nous-mêmes. Sommes-nous des idolâtres? En adorant des idoles qui sont des hommes qui sont au-devant de nous, qui sont nos chefs, qui sont nos pasteurs, nos prophètes, qui sont nos gouverneurs, qui sont nos ministres, qui sont ainsi de suite, qui sont des représentants de Satan, Lucifer, vous comprenez? Les diables. Sommes-nous pas les idoles? Ils ne sont-ils pas nos idoles? Nous ne les faisons pas comme des idoles. Alors, mettre quelque chose au devant de vous, sachez-le que c'est de l'idolâtrie. Mettre une personne en parlant toujours, en prenant exemple, en se penchant sur cet homme-là, qu'il peut, sachez-le que, maudit soit celui qui se confie. Alors, nous lisons les Écritures pour la gloire du roi Jésus, l'auteur de cette parole. Nous lisons. Élu le Tisbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y en aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole du prophète de Dieu, c'est la parole de Dieu, parce que c'est Dieu dans la chair humaine. La parole d'un fils de Dieu qui bâtit son fondement sur le Saintes Écritures, quand il part en citant une promesse et s'il y a un obstacle qui lui arrive, vous comprenez, quelle que soit sa nature, c'est Dieu qui parle. J'avance, parce qu'on vous limite,
Qu'est-ce que le diable fait? Il nous fait montrer toujours nos erreurs, nos fautes, et nous nous condamnons les uns les autres, nous affaiblissons. Et ce sont des prédications qui sortent derrière les chairs d'aujourd'hui. On vous dit quoi? Quand vous voyez quelqu'un vous dire ça, quand vous voyez éviter, fait, donc ce n'est que de diviser, et le diable règne. Vous comprenez? Éviter, écarter, tout ça, c'est ce qui est plein dans les TikTok, dans les Facebook, tout ça. Vous comprenez, les gens aillent simplement là où il y a un prédicateur qui dit sa façon, des prédicateurs qui disent que de moi ça pour qui veut qu'il parle de la moralité, alors que nous avons besoin d'une transformation qui peut changer des gens. Vous comprenez, donc, avançons ici, on lit verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent des Kérites qui est en face du Jourdain. Lisons les Écritures ensemble parce que nous allons par le peu. Tout est clair ici sur cette histoire dont nous allons lire ici sur ces deux chapitres dont nous avons choisi. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous étions là. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Cette main. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. 8. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lave-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. 10. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait des bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Alléluia. 11. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Alléluia. J'aime ça. J'aime quelqu'un qui s'appuie comme ça, devant des obstacles, devant des temps difficiles. Est-ce que vous comprenez? On avance. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Alléluia. Amen. Je n'ai rien de couille, je n'ai qu'une poignée de fer, de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Ô Seigneur. Élie lui dit, ne crains point. Amen. Rentre, fais comme tu l'as dit. Et fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord. La parole d'abord. Ce qui sort du Seigneur d'abord. La voix des lions qui retentit ce soir d'abord. Vous comprenez? Ce que nous venons vous rappeler, ce qui est votre profondeur d'abord. Si vous rejetez cela, posez-vous des questions. Êtes-vous vraiment celle que le Seigneur prétend d'avoir un tabernacle où devez demeurer? Parce que la promesse du jour, il veut demeurer en nous. Il n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel tabernacle me bâtirez-vous? Quel temple me bâtirez-vous? Quelle église? Vous comprenez? Quel amphithéâtre? Ouais, que vous voyez Lagos, Abuja, au Gabon, Libreville, à Kinshasa, vous comprenez? Il y en a plein, comme des chenilles. Voilà,
Quelle maison me bâtirez-vous? Le Seigneur n'habite pas dans tous ces amphithéâtres trop gros comme des stades. Il n'y a pas la vie là-bas. Le Seigneur habite là où la parole demeure, dans ce qu'il a créé lui-même. Il a formé lui-même dans ses saintes mains. C'est pourquoi il est venu leur donner sa vie pour restaurer nous, vous. On continue. Comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite, voilà un serviteur de Dieu qui se repose avec son Seigneur sans crainte ni mouvement, ni rien de semblable, ne raisonne, ne pas ne réfléchir, ne fait que croire. Quel que soit le temps peut sembler obscur. Voilà, on y est. Voilà, ne pas aller adorer les malins. On avance. Et tu me la donneras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. 14. C'est ainsi, car, vous allez m'excuser, 14, car ainsi parle l'Éternel. Amen. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. J'aime ça. 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, les prophètes. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, les prophètes. On prend 2 Rois chapitre 22, nous lisons, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la parole qui est lui-même. On lit, on commence au verset 5, on devait commencer même au début, mais on commence au verset 5 parce que, oh je vois, ça va nous prendre. Donc nous allons sauter d'autres versets parce qu'on devait lire au complet, c'est long. On prend 5, on s'arrête ici, et puis on commence dans 13, on avance. Disons rapidement. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël, assemblant les prophètes au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur, il dit le Seigneur, les 400 prophètes, il dit le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Eux tous, même parole. Mais Josaphat lui dit, les rois de Juda qui étaient venus vers le roi d'Israël, le roi Akab, Achab, le mari de Jézabel. Mais Josaphat dit, y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Donc lui, il n'était pas rétrogradé comme celui-ci qui s'est marié avec une femme païenne. Vous comprenez? Comme nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans nos églises, dans nos gouvernements. Vous comprenez donc dans le monde entier. Avec des hommes, avec des femmes immorales, hypocrites et ainsi de suite, qui dictent des lois qui ont des influences au milieu de la société. À cause de quoi? De l'émancipation. Contredire ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, 16. Les conséquences sont là. Et les gens sont aveuglés. À cause de quoi? Ils sont des idolâtres. Ils font l'idolâtrie. D'autres conscients, d'autres inconscients, plusieurs inconscients. À cause de quoi? Parce qu'ils sont mal assidus, ils ne sont pas enseignés. Nous venons ici parler au sein de prendre position à la parole. Pour discerner ces choses et avertir d'autres. S'ils n'écoutent pas, ils seront condamnés. Ils sont déjà condamnés. On lit ici. Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi.
Mais Josaphat dit, y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, y a un autre homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je l'ai écarté. Il ne prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël... Non, c'est ce que je voulais sauter. Là, je saute à partir du verset 8. On descend ici de 13. Disons à partir de 13. Pour la gloire du roi Jésus, l'auteur de cette parole. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi. Voici, le prophète de même accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Alléluia. Michée répondit, alléluia, voilà. 15. Lorsqu'il fit arriver auprès du roi, et le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth à Galad ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Et Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vis l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'étendant auprès de lui et à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galad et qu'il périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. C'est là que j'avais voulu qu'on puisse arriver. Alors, c'est ce qu'on est en train de parler ici. C'est ça les versets 15. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai pas, je le séduirai, point. L'Éternel lui dit, comment? Verset 22, suivez bien. Je sortirai, répondit-il, cet esprit. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous écoutez? Alléluia. Amen. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur le joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Voilà les prophètes d'aujourd'hui. Michée répondit, tu le verras, alléluia, le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le d'un pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, voilà, un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, un fils de Dieu qui n'a peur de rien. Voilà, qui n'a peur que de l'Éternel et de sa parole, qui se confie en Dieu. On termine là-bas. Le dernier verset. Michée dit,
Si tu reviens un peu, l'Éternel ne m'a point parlé, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, attendez. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. J'aime toujours rester avec ma Bible. Voilà. Donc, ce qu'on vient de lire ici, que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole qui nous ouvre les oreilles par l'audition, que la foi vienne et que cela puisse changer nos vies parce que nous n'avons rien d'autre. Ici, on ne vient pas ici pour demander de l'argent. Mais l'argent va vous suivre parce que vous avez les promesses de Dieu. Vous comprenez? Si vous comprenez cela, vous aurez un équilibre spirituel à bien examiner les choses, à bien discerner les choses et à connaître à qui est-ce que vous devez et à qui vous ne devez pas. Voilà. Donc, c'est ça. Parce que tout appartient à l'Éternel. Si on commence à faire, diviser ça avec les créatures, c'est ça la mort. C'est ce qui s'était arrivé dans ces temps ici. Vous comprenez? C'est ce que nous répétons. L'histoire, très souvent, elle se répète. L'Israël, c'était une nation religieuse. Une nation qui servait Dieu, qui croyait en Dieu, comme nous voyons beaucoup de nations aujourd'hui, comme on peut donner l'exemple du Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon. Et les Nigériens peuvent dire ça. Vous comprenez? Les Ghanaiens n'en parlons plus. Ainsi de suite, même d'autres pays de l'Europe et partout dans le monde. Vous voyez, la Rome aussi peut dire ça en Italie là-bas. Voilà. Mais ce qui a créé cette désolation, ce qui leur est arrivé, cette sécheresse, c'était à cause de quoi? C'était à cause de quoi? D'une malinterprétation des écritures, ou soit de briser les écritures de Dieu, les saintes écritures de Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui et partout dans le monde, nous le voyons. Et les gens suscitent à cela, ils voient ça normal. Pourquoi? Parce qu'ils voient que non, tout aille bien. Tout aille bien à cause de quoi? À cause de la technologie d'aujourd'hui. Donc nous avons vu que les fils de Caïn, les Caïnites, ils ont commencé ça ici en bas dans Genèse. Vous comprenez? Les fils de Seth, qui était le fils de Dieu, sorti d'Adam, la semence de vie, Christ, vous comprenez? Ils étaient des laboureurs, des gens qui faisaient du champ, qui gardaient la terre, qui prenaient soin de la terre selon la promesse de l'Éternel. Vous comprenez? Même si quand on parle de la polygamie ici, vous allez remarquer que le Seigneur nous en a amené dans Matthieu 19. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu a formé l'homme et la femme. Vous comprenez? Les deux étaient un par cette parole. Et quand Ève a écouté les malins, la parole a été brisée. Le lien a été brisé. C'est ce qui a fait en sorte que non, l'infidélité a pris place. Et nous avons vu le fils qui était sorti du malin, le serpent ancien qui a amené la femme d'Adam, Ève, l'église du Christ aujourd'hui, comme les gens prétendent être dans Christ. Vous comprenez? Mais ils sont séduits, ils résonnent par la parole, ils ont rejeté la révélation du jour. Vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte qu'on y est ici en bas. On retrouve ici en bas, dans la cinquième dimension, en adorant le malin sans le savoir. Et tous ces gens qui aillent ici pour faire l'alliance avec la mort, dit le prophète Esaïe, dans chapitre 28, vous comprenez, et faire le pacte avec les séjours des morts, on leur donne l'influence comme le diable. Dans ce point-là, il n'a pas menti. Il avait dit ça à notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa première venue, lui, le fils de l'homme qui se tenait là-bas en train de prier à la montagne, pendant 40 jours, 40 nuits, il est venu vers lui, il a dit que non, si tu m'adores, tout ceci m'appartient. Vous comprenez pourquoi il a quitté les cieux, il s'est précipité, ici, Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre. Vous comprenez? Et quand Lucifer, le malheur, s'est précipité ici, il a pris la partie influenceuse, qui est quoi? Que nous avons vu, cela sorti par son fils Caïn. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui fut le premier à connaître l'église d'Adam, Ève, la femme de tout. L'adultère a commencé avec lui. Vous comprenez cela? Et ça a donné naissance aux premiers jumeaux qui étaient qui? Caïn. Parce qu'ils étaient des enfants jumeaux. Vous comprenez? Donc cela veut dire Abel, c'était le second
quand Adam avait connu sa femme. Et nous avons vu que ses fils qui étaient sortis du malaise, cette semence du serpent, ouais, a donné naissance, vous comprenez, à d'autres fils qui ont commencé la polygamie. Voilà, donc ici, c'est une partie qui, où j'ai dit que non, je n'appuie pas, je ne condamne pas. Voilà, donc ici, ils ont commencé ça, Dieu l'a permis. Pourquoi? Ils étaient peu, alors ils devaient remplir la terre. Et la terre était immense, comme Dieu l'a créée. Vous comprenez? Donc, il fallait qu'ils puissent se remplir. Alors, nous avons vu, il y avait une sœur bien-aimée qui m'avait posé cette question-là, parce qu'il y avait... Il y a une fille qui a mis ça, elle a dit c'est compliqué hein, dans la vidéo. Voilà, quand elle est allée, comment est-ce qu'il a eu des femmes? Non. Dans ce temps-là, il s'est marié entre eux. Nous allons expliquer ça prochainement, Dieu voulant. Voilà. Et quand il a pris l'une de ses sœurs et ses fils, ils ont commencé à prendre beaucoup de femmes. Et remarquez, ce n'est pas des femmes de là qu'on est en train de parler. On parle de l'idolâtrie quand. Est-ce que cela a pris naissance? Voilà. Et nous avons vu que non, ces gens-là, ils ont influencé le monde sur ce qu'eux, ils fabriquaient. Et c'est ce qui influence le monde même aujourd'hui. Remarquez, quand on entre dans des églises et quand un serviteur commence l'église, la première des choses qu'il place, il cherche par tous les moyens. Vous comprenez? Il se démène, il peut même devenir un mendiant. Vous comprenez, tous les gens qui sont avec lui, c'est quoi? Chercher des instruments musicaux. Faire de cet endroit qui puisse avoir un endroit, donc ça veut dire sonorifique, avoir un bon son. Alors que le son en soi, si cela ne tire pas son origine, ou soit son influence, ou soit son inspiration d'en haut, Christ, il tirera, vous comprenez, son inspiration, ou soit son influence, d'en bas vers les malins, les diables. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous aurez une même source d'inspiration là où aussi les musiciens de ce monde, vous comprenez, qui ne cachent pas leur nature, ils tirent. La différence, c'est simplement qu'ici, vous êtes religieux et eux, ils sont mondains. Mais vous tirez votre influence dans un même endroit à cause de la différence de l'inspiration. Vous comprenez cela? Et la musique, c'est ce qui influence, qui amène les gens à danser, à faire toutes ces choses-là, et à chanter. Et il y a des voix qui sont transformées, qui deviennent de belles voix, qui attirent par les nerfs cochléaires et qui dominent la personne complètement. Et puis ça peut vous garder là-bas jusqu'à tel point que cet homme-là est devenu comme un dieu. Vous comprenez? C'est de l'idolâtrie. Et quand on vous parle quelque chose sur cet homme-là, vous niez ça complètement. Pourquoi? Vous êtes abandonné à lui au lieu de s'abandonner au Seigneur. Voilà. Nous nous venons ici avec aucune influence de nous-mêmes si ce n'est que la parole. Voilà. Et quand ils ont commencé à créer la première des choses que les fils de Caïn, ils ont commencé à créer, à fabriquer au fait, pas créer. Vous savez, excusez le mot. À fabriquer, c'était des instruments musicaux. Ce sont eux qui ont commencé à fabriquer des guitares, des cymbales, des caisses claires. Ouais, donc des amplis, et ainsi de suite. Et jusqu'à tel que vous les avez vus au temps de Noé. Voilà. Donc cela veut dire qu'ils ont fait des études, ils ont dit il n'y a pas la pluie. Ils ont douté à Noé. Ils n'ont pas voulu écouter leur voix. Remarquez ce vieux papa. C'est pourquoi le Seigneur donne l'exemple dans Luc 17 que je viens de citer ici. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui et ils sont arrivés à leur aboutissement à fabriquer quoi? Nous avons vu des télés, nous avons des ordinateurs portables, des ordinateurs de table, nous avons des portables maintenant en main. Vous comprenez? Nous avons la quatrième dimension avec nous en main. Voilà. Et alors, cette dimension dont nous tenons, par ces moyens, par les télévisions, ça nous connecte facilement avec ce monde ici parce que c'est la même dimension, c'est la seule dimension qui est verticale. Vous comprenez? Ce qui fait en sorte que si vous ne tirez pas votre influence d'en haut, vous comprenez, votre inspiration, si elle ne vient pas d'ici, Christ, la tête de l'Église, ça vient d'en bas. Pourquoi? Parce que tout, je devais mettre la figure là.
de dimensions. Voilà. Donc, comme on ne parlait pas ça, vous avez dit, parce que ces trois dimensions que nous avons mises ici sont influencées soit d'en bas, soit d'en haut. C'est pourquoi nous avons chanté « Les ciels et l'enfer sont sur la terre ». Vous comprenez, dans ces temps que nous nous vivons. Alors, si on avance, on retourne sur cela, ce qui les a influencés, c'était quoi? Ils avaient un fils qui était là, qui a brisé les écritures, qui devait se marier à une fille israélite, mais il s'est permis d'aller se marier à une femme, Jézabel, qui était une femme des nations. Et cette femme a amené l'idolâtrie dans la nation juive. C'est ce qui les a amenés à adorer des idoles au lieu de l'Éternel Dieu. Alors, dans son temps, vous allez remarquer que les gens étaient riches. Ils marchaient avec de belles voitures, ainsi de suite. Ils construisaient bien leur pays. Je regarde quand je parle de ces choses en regardant l'Afrique avec les Africains, qu'ils adorent leurs chefs, qu'ils élèvent leurs ministres, leurs gouverneurs. Ils les chantent dans des cantiques, ils ne travaillent même pas bien, sont devenus des multimillionnaires, des multimilliardaires, vous comprenez, avec des pays qui sont riches, ainsi de suite. Et quand vous allez à l'église, on vous dit de se lamenter, vous sortez, vous suivez ces gens-là, vous êtes là dans la rue, de crier, de porter des banderoles, des t-shirts, des polos, écrivez avec des figures de tous ces gens-là, ce que nous ne voyons pas en Europe, là où eux, le fils de Caïn, ils ont bien construit et ils ont rejeté Dieu à cause de ce qu'ils ont fait. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et de ce qu'ils ont tiré d'ici, ils fabriquent des avions. Vous avez déjà monté sur Airbus A340, A380, Boeing 777, ceux qui ont modifié maintenant là. Vous les avez déjà essayés? Demande à ceux qui sont là-bas. Ils vont vous dire. Vous comprenez? Monter sur Emirates à 380, voir la condition sur business class. Ce sont vos ministres qui vous volent de l'argent, qui vous élevez là-bas. Mais ce sont ces gens-là qui ont fait la compromis avec la parole, qui ont rejeté les saintes écritures, ils ont rejeté les prophètes. Ils ont construit leur pays. Ce sont de beaux pays où les gens que nous prétendons que par eux que Dieu paie. Quand vous vous dites dans les églises, alors qu'ils ont rejeté la parole, ils ont fait la compromis avec le Christ, vous les avez mis comme des idoles, à lieu de mettre Dieu, d'invoquer Dieu, conformément à la situation actuelle, afin que s'ils ont de bonnes intentions en eux, que votre prière puisse les aider à arriver à mettre cela en place. Mais quand vous élevez là, ils prennent la place de Dieu, la souffrance prend sa place. Mais ces gens-là, avant d'y arriver, comme ils étaient là, ils ont pris leur position, regardez leur pays, et vos ministres quittent ici pour aller prendre des soins là-bas, quittent l'Afrique pour aller acheter des maisons trop chères là-bas, et vous venez du jour au lendemain, après l'église, vous allez là-bas pour acclamer des mêmes gens. Vous comprenez, vous voyez dans les cortèges et toutes ces sous-genres habillés, vous parlez même de leurs chaussures. Vous prenez leurs femmes pour les faire comme des déesses. Vous comprenez, les élever, faire des groupes au nom de ces femmes, élever les femmes. Vous comprenez cela? Tout cela suscite la colère de l'Éternel parce que Dieu ne change pas. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui s'était passé au temps d'Élie ici. Vous comprenez? De ce roi Akab qui avait pris une femme immorale et amena toutes ces choses-là. Et nous avons vu que non, cette femme est devenue une influenceuse et a permis même jusqu'à faire des nominations. Et l'histoire, très souvent, elle se répète. C'est par cette femme-là, si vous lisez dans ce même livre de un roi ici, Naboth ne voulait pas donner son champ. Vous comprenez? À qui? À Akab. Ouais. Parce que son champ était beau, cultivé de bleu. Alors Akab a envié le champ de qui? De Naboth. Et Naboth a regardé, il a dit non, c'est l'héritage de mes pères, je ne peux pas te vendre mon droit d'aînesse. Vous comprenez? Comment est-ce que vous vendez votre droit d'aînesse que vous avez resté en Christ? La révélation du jour, vous les avez foulés aux pieds. Pour prendre quelque chose formaliste qui sort des églises.
Vous comprenez? Quand quelque chose vous arrive, on vous dit qu'il y a une convention là-bas. Quand quelque chose vous arrive, il y a des séminaires là-bas. Quand on vous dit, il y a des veilles et prières là-bas. Il y a des prières de délivrance. On devait aller au stade pour aller chercher Dieu. On va aller au stade pour quoi? Consacrer le pays à Dieu. On va aller au stade là-bas pour prier pour notre nation, pour la guerre, pour la famine, pour des maladies, toutes ces choses-là. Mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui changera. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, il tient sa parole. Ceux qui sont certains de lui, ils devaient être par la parole. En dehors de la parole, ils ne le seront jamais. Et il ne vous en sera pas. Tout ce que vos chefs des églises des réveils, vous réunissent là-bas au stade et vous êtes là en plein, ils vous réunissent là-bas à l'échangère, la Fikine, là quelque part à Libreville, ils se réunissent, d'autres viennent de Nigeria, d'autres viennent de tout le coin du monde, ils se réunissent là-bas, il faut qu'on éternelle pour que ceci s'arrête. Ça va s'arrêter comment? Ça ne va pas s'arrêter. Et nous avons vu que non, il y a toujours des morts, il y a toujours des choses, des violations, et toutes ces choses qui arrivent à cause de quoi? Vous mélangez la lumière et les ténèbres. On a ici, vous comprenez, pour prendre de l'influence et venir ici pour que, pourquoi? Pour accomplir l'écriture que le Seigneur avait foulée. Vous comprenez, quand le malin lui a dit que si tu m'adores, il a dit, tu adorerais que l'Éternel est ton Dieu. Vous comprenez? Et le diable s'est enfui. Il s'est retiré de lui. Mais aujourd'hui, les gens sont là. On a l'église, on retourne, on a encore les yeux de l'autre côté. Alors que eux, ils n'ont pas écouté ce que le Seigneur leur avait dit. Le Seigneur avait fait. Vous comprenez? De ne pas. Vous savez combien est-ce qu'on dit? Beaucoup de serviteurs de Dieu, s'ils sont sincères, ils vont vous dire. Pour avoir de l'influence aujourd'hui, si tout ce que vous pouvez faire dans des églises, même dans la musique religieuse, vous devez aller là-bas. Il y a des grands dans ce monde ici. Vous n'êtes pas avec de ces grands-là, vous ne ferez rien. Mais avec le Seigneur, nous ferons des espoirs en son temps. Nous allons donner des exemples ici. Vous comprenez? Élie était de ce calibre-là. Il n'a pas voulu subscrire à ce qu'ils faisaient. Quoi? Suivaient ce qu'ils faisaient de leur nation. Donc, ça veut dire qu'ils étaient là. Donc, ça veut dire qu'ils regardaient les richesses, une bonne vie, et tout, s'habillaient bien et toutes ces choses. Ils roulaient avec de belles voitures et ainsi de suite. Dans ces temps-là, on dit des chevaux et ainsi de suite. Ils croyaient qu'ils avaient dit. Mais quand Élie s'est levé de ce qui s'est passé, de l'idolâtrie et toutes ces choses-là, vous comprenez? Les gens, peut-être, ils étaient contre lui. Mais il s'est présenté devant Achab pour lui dire que c'est toi qui troubles Israël avec ta femme Jézabel. Vous comprenez? Parce que vous avez pris de tels coins pour faire des millions, vous avez percé ici pour faire de ceci, pour faire des noms, pour faire ceci, pour que vous êtes devenu trop influenceux ou influenceuse pour dominer les gens jusqu'à tel point qu'on ne peut même pas prononcer un mot sur vous. Voilà ce qui domine le monde aujourd'hui. C'est ce qu'on les a promis et cela est ainsi. Toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, ta place n'est pas là. Prends position à la parole et tu vivras selon les promesses de Dieu. Le juste vivra par la foi. Et Élie s'est présenté devant lui, il a dit, c'est toi qui trouves, c'est toi. Bon, si c'est toi, bon, moi je te dis que la pluie ne tombera pas sur la face du sol. Si ce n'est à ma parole, parce qu'il était avec Dieu, il était avec la parole créatrice de Dieu, toutes les créatures, Dieu devait lui obéir. La pluie a obéi à Élie, le prophète, qui, comme la maladie, le cancer, peut obéir à toi, qui me regarde. C'est simplement de prendre les promesses de Dieu. Le Seigneur t'y avait dit dans Marc 16, 15 à 18. Tous ceux qui vont croire, en mon nom, croit à qui? En lui, en son nom, à la parole. Ils chasseront les démons. S'ils boivent quelque chose mortel, ils ne leur feront point du mal. Ils saisiront des serpents. Comment vous allez saisir les serpents? Vous irez à la forêt pour saisir les serpents? Les serpents, c'est l'idolâtrie. Les serpents, quand on vous dit de faire ceci pour avoir ça, vous comprenez? Les serpents, c'est quand on vous dit, mettez-vous là-bas pour mettre un homme au-dessus, au lieu de Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un, c'est simplement qui lui est capable de guérir, de vous ouvrir la porte, et ainsi de suite, alors qu'il tire son influence où? Vers Jézabel. Vous comprenez? Il tire son influence où?
dans le monde des ténèbres. Quand je parle, c'est là, comprenez les expressions. Ouais. Mais Élie n'a pas voulu cela. Et il a été pourchassé. Il a fui. À cause de quoi? Parce qu'il défendait la vérité. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Voilà. Et quand vous n'êtes pas certain de Dieu, qu'est-ce qui va vous arriver? C'est l'idolâtrie. Et vous mettez des hommes, lorsque ces hommes-là vous limitent, vous ne saurez pas naître de la parole. On vous fait montrer les péchés chaque jour, alors que vous connaissez l'Église catholique qui disait à ses fidèles que chaque vendredi vous devez venir confesser vos péchés, alors que vous faites la même chose mais sous une autre forme. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Des fils nés, vous comprenez? Parce que eux tous, on dit que nos catholiques, c'est l'Église universelle. Tout celui qui se dit religieux, il appartient à l'Église catholique. Il réveille pentecôtiste. On appartient là-bas, on est catholique. Vous comprenez? Mais comment est-ce qu'on peut sortir du catholicisme? Parce que tous dans le monde entier, nous sommes catholiques. Universel, cela veut dire tout. Mais comment sortir dans ce système-là de la papauté? Vous comprenez? C'est de tenir dans la révélation du jour en Christ, de devenir Christ. C'est ce que nous prêchons ici. En prenant l'exemple de ce qui s'était passé ici. On adore les créatures, on est d'adorer le créateur parce qu'on n'est pas certain de lui. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous ne nous tenons pas compte qu'on n'est pas certain de Dieu? Parce qu'on a les yeux sur ce qui influence, ce qui attire le regard. Alors le Seigneur lui-même a dit que non, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer le regard. Vous remarquez? Voilà. C'est pourquoi nous vous avons dit que non, le fils de Caïn, vous comprenez, le fils de la semence du serpent, le malin, ce sont eux qui ont commencé à créer ces choses qui influencent le monde aujourd'hui. Vous comprenez, ils sont cela veut dire des grands inventeurs de choses et tout ça, ils fabriquent des choses dont vous regardez comme. Et ces choses-là, c'est ce qui peut faire en sorte que non, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous vous accroupirez pour y en avoir. Mais quand vous allez quand même apprendre quelque chose. Dans l'école, dans l'université, vous retournez, vous vous abandonnez au Seigneur, le Seigneur pourvoira pour vous. Parce qu'il nous a été dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, il renouvellera leur force. Ils marcheront, ils ne se fatigueront pas. Vous comprenez? Ils courront et ils ne lasseront pas. Je ne sais pas si je dis ça contrairement, je pense que c'est ça les Écritures. Voilà. Soyez certains de Dieu. Alors, nous avons vu que Élie était certain de Dieu. Nous avons lu l'histoire ici pour ne pas encore retourner là-bas. Il était allé vers une femme veuve. Une femme qui pria toute la nuit parce que la mort était là. C'était un temps de la sécheresse. Un temps très difficile. Elle ne sait pas aller sortir pour aller chercher un serviteur là-bas qui bat de plein au stade. Quelqu'un qui a de l'influence, quand il parle comme ça, vous avez un bon anglais, un bon français? Non. Nous n'en avons pas. Quand il faut que nous nous sommes tous les gens, nous avons un peu de temps. 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 Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est faux. Il vous contrôle tout dès que vous êtes à la porte pour entrer. Quand vous êtes à la porte, vous avez déjà un peu de temps. Ils connaissent tout, tout, contrôlent tout. Parce que vous venez dans leur fief. Mais à cette femme, cette veuve de part de Sarepta, elle ne s'est pas permis d'aller frapper comme le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24. Quand on vous dit qu'il est ici, n'y allez pas. Quand vous dites qu'il est là, n'entrez pas. Mais regardez comme l'éclair quitte l'Orient et pour se montrer vers l'Occident. Ainsi sera le Fils de l'homme dans sa venue. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Et l'éclair, ça veut dire l'évangile du Christ, le Saint-Esprit a quitté l'Occident vers l'Israël où on vous amène aujourd'hui pour vous dire que non, pour vraiment lui adorer, c'est de la fausseté, ça c'est pour les Juifs. Et on vous amène les choses de là et on vous vend aujourd'hui des eaux de Jourdain. Et on vous dit, habillez comme moi. Il faut habiller mon griffe à moi.
et vous êtes là. Vous n'êtes pas une idole, posez-vous des questions. Quand vous n'êtes pas une idolâtre, pardon, posez-vous des questions. Cet homme-là, ce n'est pas une idole pour vous. Quand à chaque fois que vous avez un problème, vous devez toujours aller voir un homme, vous savez déjà que vous avez fait de cet homme-là votre idole. Cet homme-là a pris la place de Dieu. C'est de l'idolatrie. C'est ce que nous venons de parler ici. C'est ce que Élie et cette femme-là de la foi n'ont pas voulu faire. Et le Seigneur ne peut pas envoyer son prophète dans une maison indigne. Il a envoyé son serviteur là où il y avait la foi. Remarquez, si nous pouvons faire une petite illustration de l'histoire. Vous allez voir que non, Élie lui a dit, amène-moi de l'eau. Et la femme retourna pour aller prendre de l'eau. Ensuite, amène-moi dans ta main les gâteaux, je n'en ai besoin. Mais non, il n'y a presque rien. La dernière partie qui était restée ici, de la farine et un peu de l'huile, c'est ce que nous attendons, si vous allez chercher des morceaux de bois. Vous comprenez? Remarquez ce que la Bible, les Écritures disent. Deux morceaux de bois, quand on les met ensemble, ça forme quoi? La croix de la victoire de Christ. Voilà la préfiguration de la venue du juste à la croix. La femme, la foi, produisent toujours des choses miraculeuses, inentendues par des yeux incrédules. Oui? Et elle est allée prendre deux morceaux de bois, elle est venue avec ça pour faire cuire son petit gâteau par la petite partie de la farine qui était restée avec de l'huile pour qu'il puisse manger avec son fils, une femme veuve qui ne sait quoi faire. Ils ne vivaient que de leur champ, vous comprenez? Ils n'avaient pas de système de défense comme aujourd'hui, vous comprenez ça? Voilà. Donc, ils dépendaient de la quoi? De l'agriculture. Et comme la pluie ne tombait pas pendant 3 ans et 6 mois, c'était de la sécheresse, les gens mouraient. Mais cette femme-là regardait son fils toute la nuit, faisant la prière de 100 pas, c'est-à-dire tournant toute la maison, en élevant les mains et implorant l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé son prophète vers la maison de la foi. Alléluia. Vers une femme vertueuse. Ce n'est pas une femme qui est ballottée à tout vent des doctrines. Quoi? On te dit comme ça, tu écoutes, tu changes ton attitude, tu prends des décisions, tu cèdes ton corps. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une fille de Dieu. Ton corps est sacré. Dieu t'a donné 3 vertus, ce n'est pas pour rien. Tu as ta maternité sacrée. Tu as ta virginité sacrée. Tu as ta féminité sacrée. Il faut que tu puisses prendre soin de ça. C'est ce qui va t'amener à la présence de Dieu. Vous comprenez? Parce que si il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui t'avait trompé en Christ, et si vous êtes venu, toutes choses vont devenir nouvelles. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous possédez une nouvelle image du Christ. Ce n'est plus ce qui était sorti de ton père et de ta mère. Vous comprenez? Une fille de Dieu qui se ballotte à tout vent. Non, laisse-moi m'habiller un peu ici, exposer mes jambes pour attirer des hommes. Peut-être j'aurai. Laisse-moi mettre un peu beaucoup de photos sur Facebook. Peut-être j'aurai un homme qui va m'admirer à partir des photos. Et le diable, par la science, le fils de Caïn, ils nous ont mis des systèmes ici. Il y a des applications qu'on peut downloader, c'est-à-dire qu'on peut télécharger dans nos téléphones qui peuvent vous permettre aujourd'hui à prendre des photos qui peuvent vous rendre trop belle alors que vous ne l'êtes pas. Et quand vous mettez cela, quelqu'un qui vous appelle, alors il est attiré de la beauté. Ce n'est pas la vie qui lui attire vers vous. Vous devez attirer les gens par la beauté intérieure qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà. Mais avec la beauté jézabélite qui a attiré Akab vers Jézabel, la déchéance morale. Vous comprenez? C'est ce qui a fait tomber la nation dans la sécheresse, dans la souffrance, comme nous voyons aujourd'hui. Et les gens sont là avec des grands noms, serviteurs, un tel docteur, un tel pasteur, un tel prophète là, vous comprenez? Et l'évangéliste est un tel, bishop est un tel. Si vous irez là-bas, vous aurez ça, vous aurez ça. Alors ce ne sont que des esprits séducteurs. Vous comprenez? C'est ce qui tue vos âmes.
qui détruit, qui retire votre droit d'aînesse. Vous êtes maintenant devenu dépendant. Et vos ailes sont... On a tout retiré de plumes de vos ailes. Je parle spirituellement, comprenez. Mais ce n'était pas Naboth. Naboth a refusé de vendre son champ à Acab. Mais remarquez ce qui se passe aujourd'hui avec des femmes qui ont pris l'autonomisation. Quand je parle ici, ils ne sont pas contents de moi. Mais je parle de la parole. Moi, je parle de ce qui est écrit. Si vous voulez me combattre, combattez Dieu alors. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas peur des créatures. Voilà. On doit avoir peur du Créateur. Alors, Naboth, qui avait peur du Créateur, n'a pas voulu vendre son droit d'aînesse. L'héritage que ce père lui a légué, l'héritage des prophètes, l'héritage des apôtres, c'est ce que nous devons garder, c'est ce qui nous va amener à la présence du Seigneur, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui amène la translation à nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ça qui change cette mauvaise naissance où la mort domine, la partie obscure domine sur nous, qui étouffe la lumière. Et le Saint-Esprit, la lumière se retire, les ténèbres règnent et le diable est content comme à Malibu. Est-ce que vous comprenez cela? Et tout ça vient qu'avec le nom du Seigneur, la vie du Seigneur n'est pas là. Naboth n'a pas voulu vendre son ordonnance, comme Esaïe. Voilà. Et Jézabel s'est présentée là-bas en regardant son mari triste. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai dit à Naboth de me vendre son champ, il n'a pas voulu. Ah, tu es triste, mais toi tu n'es pas le roi. Mais c'est toi qui es le roi d'Israël. Je vais te redonner ce champ. Et cette femme-là, elle est sortie. Vous savez, quand une femme est maligne, c'est plus qu'un homme. Vous comprenez? Lisez l'histoire qui est là. Vous allez voir, ça y est là-bas, c'est toujours dans les livres des un roi. Lisez la Bible. Ça va me prendre encore beaucoup de temps si je lis cette histoire-là. C'est cette femme-là qui a organisé la mort en produisant des mensonges contre Naboth, le fils de Dieu. Vous comprenez? Qui n'a pas voulu vendre son droit d'aînesse, qui a hérité de ses pères, les prophètes, les saints apôtres, l'enseignement, le fondement de la foi. Vous comprenez? Cette richesse impérissable qui ne peut pas venir des églises dénominationnelles. Vous comprenez? Pourquoi restez-vous toujours le matin à écouter un homme? Vous n'êtes pas capable? Quand vous écoutez ceci, que cela vous transforme. Quand vous lisez la Bible, entrez dans la prière. Demandez, soyez certains de Dieu, les choses vont changer. Cette femme a organisé la mort de Naboth. Et elle était capable de donner son champ à qui? À son mari, rétrograde. Vous comprenez? Voilà ce qui s'est arrivé. Quand Élie a vu toutes ces choses-là, il s'est allé vers la foi. Et en allant vers la foi, et nous avons vu que là, l'Éternel a pourvu. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux croix. Quand vous vous mettez sur la croix, deux morceaux de bois que la femme, elle est allée prendre, a mis ça ensemble. Vous comprenez? Christ, cela a produit immanquablement l'entrée en scène du Dieu vivant, de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. En aucun cas, dans ce temps-là, tous les temps qu'Élie demeurait dans sa maison, lui, il était toujours là présente. Vous comprenez? Et la farine était présente. Il mangeait à l'air siété. Vous comprenez? Donc, ça veut dire il mangeait à sa... Donc, tu manges à sa... Il mangeait à sa siété. C'est ce que je peux dire. Donc, babo lia, babo ton, nana, tongo, na midi, pe, na po, kwa, et l'autre, tu kèko, djangé, à l'agité. Ce qui t'a dit, ce sera mon mal. Na mon roi, mboka. Donc, c'est ce que nous devons faire, être certains de Dieu. Et Dieu n'avait pas abandonné son Élie jusqu'au jour où il lui avait retiré. Vous comprenez? Sans passer par la mort. C'est ce que l'Église, l'épouse du Christ, retourne à la maison sans passer par la mort. Aujourd'hui, ils y sont déjà. Pourquoi? Ils ont écouté les sons de la trompette d'Apocalypse 10. L'ange de l'Éternel a sonné de sa trompette le message des temps de la fin, qui est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Vous comprenez? Mais si vous êtes derrière ces gens ici,
que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 22, qu'ils étaient là, qu'ils se tenaient, et tous, vous les voyez là-bas, dans tous les pays africains, commençant au Congo, le grand Congo. Le grand Congo, c'est le grand d'Afrique. Avec tout le, toutes les richesses qui le regorgent. Mais remarquez ce qui se passe là-bas avec les serviteurs de Dieu. En allant au Congo-Brazzaville, c'est la même chose. Ils sont sous influence du chef. Vous comprenez? Vous allez au Nigeria, vous allez au Gabon, partout vous irez en Afrique. Vous comprenez? En allant en France, là, n'en parlons même pas, là, déjà, on n'a plus possession il y a longtemps, comme aux États-Unis. Vous comprenez, ils ont rejeté les prophètes. Et le malheur va battre aux États-Unis. Vous allez voir ce qui va arriver à Los Angeles. Ça a commencé déjà à arriver. Vous voyez le feu qui s'enflamme là-bas en Europe, qui consume des champs et toutes ces choses-là. Il y a des orages, toutes ces choses-là, provoquées par des bombes et des choses, et quoi chimiques qui sont en train de produire jour et nuit. Et nous voyons tout, ils sont là, derrière quoi? Derrière l'argent, l'influence. Chef, allez-y, prions, vous aurez ça. Chef, faisons ceci, faisons des jeûnes pour le pays. Vous rejetez la parole, vous faites les jeûnes. Qu'est-ce que ça va produire? On fait les jeûnes du jour au lendemain, on tue. On fait des jeûnes du jour au lendemain, les gens tombent par des maladies, des crises cardiaques, ainsi de suite. Il y a la diabète, toutes sortes de maladies, des cancers rongent les gens. Mais il est à l'église pour invoquer l'Éternel. On le voit là-bas, même les gens des gouvernements et tout ça, ils sont là-bas, ils organisent de veiller des prières pour implorer Dieu. Ils sont en train de danser du jour au lendemain, les gens meurent. Du jour au lendemain, on meurt par la famine, l'économie du pays ne fait que quoi. Et il y a la souffrance, la dévaluation des monnaies. Posez-vous des questions, l'histoire très souvent se répète, toujours avec des nations religieuses. Vous comprenez? Nous voyons les économies mondiales se dégradent. Ponani, pour battre ma boîte, Nzambe, Bazu, Bato, Bati, Bango, Bakomi, Nzambe. Que moto n'a pas changé, biso moto a ressoumé biso. Alors que hier pas hier, ouais, que là mon pauvre a comme appelé biso. Quoi ça l'appelle combo? Le mi patiko ya ebana. Tiens, biso tu es une des potos de l'anzam de n'abomoi. Potoya pour la moins temps, nous sommes les habitants de l'éternité. Nous sommes venus ici en passage. Vous comprenez? Alors Michel s'est tenu là-bas pour clôturer. J'ai pris vraiment beaucoup de temps. Vous allez m'excuser. Alors, Michel s'est présenté là-bas, le fils de Jumla, il a dit que non, pas question. Je ne dirai que ce que l'Éternel me dira de vous dire. Qui a dit ça? C'était le roi de Juda, Josaphat, qui était quelqu'un qui s'est confié à l'Éternel. Il a eu le temps d'examiner, de discerner, d'analyser les prophètes qui se tenaient là-bas. Vous ne prenez pas ce temps. Alors que Marc 16, nous venons de dire ici, celui qui croit en moi fera aussi, là c'est Jean 14, 12, fera aussi les choses que j'ai fait. Nous avons vu Frère Branham l'en a fait du tout plus que voir même. Pourquoi? Parce qu'il est resté avec la parole dans chaque opus. Et les gens se sont limités là-bas, ils ont pris Frère Branham, ils ont fait de lui un idole. Voilà ce qui se passe avec les tabernacles des églises. L'histoire, très souvent, elle se répète. Vous comprenez? Ils ont fait ça au temps de Paul. Paul a dit, si vous commencez, je vais déchirer les habits. Vous comprenez? Pour élever seul le souverain sacrificateur, Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et Michel est venu, il a dit, pas question. Je ne veux pas faire ce que vous avez fait. Josaphat a regardé, il a dit, non, parle. Il a dit au roi, Chab, non, laisse-lui parler de la part de l'Éternel. J'ai entendu les gens parler, mais je cherche quelqu'un. Nous avons dit pour lui, selon son discernement, tous ces gens-là, tout ce qu'ils parlaient là-bas, ils ne parlaient pas de la part de l'Éternel. Ils parlaient de la part du roi, comme ceux qui arrivent là-bas. On a réuni les gens au stade des martyrs pour voir la part de qui. Flatter les présidents, on leur donne des enveloppes, ils partagent un point, c'est tout. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Il n'y a rien.
Et vous rendez là-bas avec des polos, tout ça, du jour au lendemain, vous faites des bisous. Alors, nous avons vu que Aka, il a regardé, il a dit que voilà tout ce que je te dis. Il parle toujours en mal de moi. Il ne parle pas mal de toi. Je ne parle pas mal de toi. Je parle pas mal de vous. Je parle de la parole. De ce que l'Éternel a mis à moi de parler. Je suis un pécheur. Vous comprenez? Sauvé par la grâce, mais j'essaie de mettre ma vie en ordre pour ramener à vous aussi de mettre vos vies en ordre. Voilà les soucis de tout un serviteur de Dieu, votre esclave. Voilà. Et nous avons vu que non, ils ont dit, prends-lui, mettez-lui là-bas. Jusqu'à ce que toi, tu vas revenir ici. Si tu reviens, le Seigneur n'a pas parlé à mon tour. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Les anges de Dieu ne sont pas des mauvais esprits pour venir séduire. Un mauvais esprit, tous sont au service du Seigneur. Même le diable, c'est une créature. Vous comprenez cela? Pour les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, le diable est là-bas pour que, quoi? Et il puisse se manifester, parce que nous vivons le temps où le fils de Dieu devait se manifester. Vous comprenez, nous avons vu que le fils de Dieu s'est manifesté ici et a manifesté pendant ma manifestation. Donc nous avons vu que nous sommes tous manifestés derrière ce ministère. Et les gens de ce monde l'ont étouffé, mais l'épouse a pris cette parole. Et les autres sont venus, ont fait des églises du message, ils ont pris le nom Branham comme une idole. Ils commencent à adorer les noms. Vous comprenez? Et ils expliquent le ministère de la divinité contrairement. Ils limitent ça à lui, prophète, et à lui seul, pasteur, et vous autres. Malheureux. Michel n'a pas voulu cela. Et l'esprit mauvais venait au serviteur de l'Éternel avec quelque chose du mensonge à lui. Et il a séduit les 400 prophètes. Michel, quand il est venu, ne pouvait pas se séduire parce qu'il avait l'insidie, dit le Seigneur. Vous comprenez? Il y a des fois, cela nous arrive. Mais quand vous avez l'esprit de discernement du Seigneur, retournez dans la prière, Seigneur. Pardonne-moi. Ça nous arrive. Vous comprenez? Il y a d'autres endroits qu'on peut aller. Il y a des gens qu'on cohabite avec eux. Il y a des choses qui sortent de nos bouches. Il y a des choses que nous regardons. Ça nous amène à mal imaginer, à mal se comporter, toutes ces choses-là. Retourne en Christ. Retourne dans la parole. Repends-toi, arrange ta vie. Vous comprenez? Cette même situation qui s'est arrivée à la fin, à la veuve de Sarepta, s'est arrivée aux enfants hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Vous comprenez? On leur a dit que non, le roi a décrété une loi comme vous le voyez. Vous comprenez cela? On suspend quelqu'un, on dit que non, qu'il faut qu'il démissionne, il n'est plus celui-ci, il n'est plus ministre, il n'est plus ainsi de suite. Du jour au lendemain, il est retourné là-bas. Et vous êtes là à clamer. Qu'est-ce que l'homme a fait? Pratiquement rien. Il est devenu millionnaire. Il y a des choses qu'il a fait. Ils ont regardé à part des choses que nous avons fait. Non, il faut que lui, il retourne. Et vous êtes là, vous retournez comme ça. Vous restez comme ça. Et du jour au lendemain, vous implorez Dieu. Avec vos serviteurs. C'est ça, hein? Allez-y. Au lieu de retourner, de regarder là-bas, de rejeter et de suivre le Seigneur qui peut. Non. Les trois enfants hébreux, ils se tenaient là-bas, ils ont refusé d'adorer la statue qu'on a élevée là-bas. Et eux, jour au lendemain, le roi les a appelés, il les aimait avec Daniel, qui était à leur tête. Vous comprenez? Vous savez ce que j'ai décrété? Oui, nous avons entendu que vous avez décrété ceux qui ne vont pas s'humilier devant cette statue-ci. La fournaise, est-ce que vous savez que la fournaise est chauffée cette fois? Oui, le roi, on le sait que vous avez promis que non. Celui qui ne va pas obéir, ne va pas adorer, la fournaise doit être chauffée. Cette fois, on va les jeter là-bas. Et vous êtes prêts qu'on vous jette là-bas? Nous n'avons pas le choix. Nous sommes certains de Dieu. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que non, ils ont arrangé leur vie. Parce qu'ils savaient que demain, la fournaise nous attend. Nous n'avons pas le choix, nous n'allons pas adorer une idole. On ne peut pas adorer une créature parce qu'il est grand chef, parce qu'il est grand ministre, parce qu'il est grand pasteur, parce qu'il est grand prophète, il fait des prodiges. Non. Moi-même, j'ai été créé miraculeusement. Donc, si j'abandonne à la parole miraculeuse,
Cela fera en sorte que nos des miracles vont se produire dans ma vie sur tout ce que je demande à Dieu. Même si ça prend du temps, je peux voir le ciel sombre. Vous comprenez? Comme Fabrice disait qu'il est allé en Allemagne, il regardait quoi? Il y avait un peintre. Donc ça veut dire qu'il avait peint quoi? Une image de quoi? De nuages sombres. Quand vous regardez ça de loin, vous voyez ça comme obscur, que quand vous approchez, ça change, ça donne maintenant un autre aspect un peu clair. Et Frère Branham s'est surgi là, dit, oh, quand les épreuves nous arrivent, ce n'est que question d'aller arranger nos vies devant le Seigneur et lui implorer. Vous allez voir des nuages sombres là, vont se transformer aux ailes d'anges. Vont commencer à se battre ensemble et rendre, disent des hosannes, alléluia, l'Éternel est notre Dieu. Voilà ce qui nous arrive. Dieu aime toujours le mettre devant les épreuves. Pourquoi? Pour construire une foi constructive, pour naître de la parole, naître de lui, pour recevoir la nouvelle naissance. Vous devez être éprouvé parce que vous êtes de l'or. Moindre pépin, houp, allez chercher un prophète mensonger. Moindre quelque chose, houp, allez vers un esprit séducteur, un religieux qui est là-bas, qui a de la popularité, tout le monde là, aille là-bas pour trouver la solution. Moindre quelque chose, houp, je devais aller chercher à élever quelqu'un parce qu'il est ministre, parce qu'il est bourgmestre, parce qu'il est, je ne sais pas moi. On est là-bas parce qu'il a une fondation, il aide des gens. Dieu ne plus. Mais qu'est-ce que vous faites quoi à l'église? Pourquoi vous ouvrez, vous lisez la Bible? Pourquoi? Autant à ma commune pour la ma promesse, il y a Nyon Sezawan. Posons-nous des questions. Mais les trois enfants hébreux, ils étaient là fidèles à Dieu comme cette femme. Ils étaient constants. Ils n'ont pas voulu changer leur position. Je dis, nous allons mourir, les rois. Elle a dit, ok. Mais ils savaient déjà qu'ils avaient arrangé leur fille. Vous devez arranger au départ pour que le Seigneur vous exauce. Vous comprenez? Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, ils ont tout arrangé. Ils ont satisfait aux exigences de Dieu. Ils ont pris leur offrande. Ils sont allés donner au temple de Dieu, vous comprenez? À un serviteur de Dieu. On ne donne pas n'importe qui. Voilà. Et le temps était arrivé, on les a jetés là-bas. Ils ont refusé d'adorer. Ils ont refusé de s'accroupir devant une idole. Une créature. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'adorer des idoles. Et vous suscitez déjà la colère de Dieu, la mort est à la porte. Et vous tombez dans les crises et toutes ces choses qui vous frappent. Où est la guérison? Alors que c'est le Seigneur, le Créateur qui guérit. Vous comprenez? Voilà. Et nous avons vu que non, ils étaient là avec une quatrième personne qui était Christ. La colonne de feu, la fournaise chauffée, cette fois ne peut pas résister devant lui. On peut prendre l'exemple de Job. Sa situation était tellement empirée. Ils avaient des ulcères. Ils s'est gratté avec un tesson. Voilà. Mais sa femme est venue, elle a dit, mais non, tu fais sortir de l'eau dans ton corps, ta peau est tellement abîmée, maudit Dieu, tu puisses mourir. C'est la seule chose que tu devais faire. Qu'est-ce que tu attends? Alors que le diable lui a accusé qu'il pêche d'une manière secrète. Alors lui, il avait déjà arrangé sa vie. Il était conforme avec les Écritures. Il avait amené à Dieu ses offrandes, après avoir fait sa prière. Vous comprenez? Confesser tous ses péchés, mais sa vie, voilà satisfaire aux exigences de Dieu. C'est ça. La repentance, la confession et rester-y à la parole. Vous comprenez? La femme lui a dit comme ça. Sa chère femme bien-aimée. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et nous avons vu que nous, quand il disant ça, Seigneur, je me repens, Dieu descendit à restaurer Job. Pour être un peu bref sur ça. Posons-nous des questions. Nous ne sommes pas des adorateurs des idoles. Nous ne sommes pas des adorateurs des hommes, de nos pasteurs, de nos prophètes, surtout, de nos évangélistes, de nos bishops, de nos présidents, de nos gouverneurs, de nos ministres.
jusqu'au bourgmestre, les soldats des armées, ils ne respectent plus leur travail, il n'y a plus de déontologie, mais de quoi? Dans la médecine. Vous comprenez? Il y a la corruption dans l'éducation, dans tout, partout. Les femmes sont devenues immorales, chercher à faire quelque chose pour attirer les regards. Vous faites le rôle d'une Jézabel. Vous tirez l'influence. Tout ce que vous, cet embellissement extérieur que vous vous présentez, ça vient de l'enfer. Vous comprenez? Lisez. La beauté d'une femme ne consiste pas à toutes ces choses-là. Et c'est ce qui fait en sorte que du jour au lendemain, vous vous trouvez devant un esprit séducteur qui vient de là, qui porte des corps comme nous en avons aujourd'hui beaucoup, et vous vous mariez avec lui, et vous commencez maintenant à pleurnicher toute votre vie. Soyons prudents, ça nous arrive, nous tous. C'est le temps maintenant de vous poser des questions pour vous dire que non, suis-je pas un idolâtre? Oh Seigneur, à chaque fois que quelque chose m'arrive, je cherche des solutions par moi-même. Au lieu de s'abandonner à la parole, d'aller se repentir, de satisfaire à tes exigences, faire un vœu, comme je vous ai dit au début de cette année, si nous vous avons dit que c'est l'année de vœux 2024, psaume 24, lisez-le. Vous comprenez? Qui monte en son trône, si on peut lire ça pour terminer. Laisse-moi lire ça rapidement. Nous sommes là. Oh, le prophète Esaïe m'a précédé. Non, laisse-moi retourner. Je suis là. Psaume 120, 107, 31, 24. On lit, on termine. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. À qui? Au président? Au roi? Aux empereurs? Au ministre? Non. Le monde est ce qu'il habite. À qui? À l'Éternel. Car il l'a fondé sur le mer et affermi par ce fleuve, par le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Voilà, les enfants hébreux ont satisfait aux exigences de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, la fournaise chauffée cette fois, les a rien fait. Même pas un poil de leur corps a été brûlé, rien. Et le Fils de l'homme, Christ, était là, la colonne de feu. La fournaise se chauffait cette fois devant lui. Absolument rien. Parce que tout a été créé par elle, la colonne de feu. Tout ce que nous voyons ici vient du feu, Christ, la lumière. Voilà. Le fleuve, à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son trône, c'est lui qui a le main innocent. C'est lui qui confesse. C'est lui qui se repent. C'est lui qui s'humilie à la parole, pas aux hommes. Pas aux créatures. Voilà. Ne faites de personne votre idole. Ne faites de pas d'un star, d'un musicien. Votre idole. Là, vous êtes en train de pécher. Vous êtes maudit. Le mensonge s'élèvera jusqu'au. Ah ouais, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, satisfait, vient repentir. Maintenant, la fin quoi? Après avoir fait votre confession, vous avez pris votre offrande, vous avez mis ça sur l'enveloppe, vous amenez ça vers un serviteur de Dieu qui vous présente la parole pure. Et il amène ça dans la maison de Dieu. Si vous n'avez pas trouvé, vous trouvez la voie de Dieu, vous amenez vos dîmes et vos offrandes. Vous comprenez? Et qu'en terminant ici, après avoir donné ça, vous faites de vœux. Il faut faire de vœux à l'Éternel. Seigneur, si tu me donnes ça, si tu me donnes la guérison, sur ce cancer qui est en train de me ronger, sur telle maladie qui est en train de générer, voire personne, tu avais dit, quand vous écouterez ceci, n'allez pas là-bas, retournez à la parole. Toi, prenez cette partie, partagez ça dans vos TikTok, partagez ça pour sauver d'autres personnes. Dites-lui, entre dans ta chambre, satisfais aux exigences de Dieu, répands-toi, confesse devant l'Éternel ton Dieu. Fais un vœu, le Seigneur est fidèle. Même si ça prend du temps, utilise cette vertu ici, la patience. C'était dans l'âge de Luther, dans l'âge de Sardes. C'était l'âge de la patience. Et ayez cette vertu de la patience envers Dieu. Il descendra comme cette femme veuve. Prenez la croix de la victoire. Vous comprenez? Ça produira immanquablement l'entrée en scène du Dieu vivant. Voilà.
C'est l'année de faire de vœux à l'Éternel, et l'Éternel fera la différence entre ceux qui lui servent et ceux qui ne le servent pas. Ne prenez pas des hommes, des idoles et mettez-les au-devant de vous. Ne faites plus ça. Terminons les Écritures ici. On lit et puis on termine. Je lis. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pire, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Écoutez, n'importe quelle parole mal interprétée, c'est ça les mensonges. Là où on interprète mal les Saintes Écritures, c'est ça les mensonges, bien-aimés. Voilà. On avance. C'est ça l'année 2024, hein? Je vous dis ça ici. C'est déjà une prédication. Mais je suis bref ici pour terminer. Et qui ne jure pas pour tromper, voilà. Faire du vœu à l'Éternel. Qui ne jure pas pour tromper. On termine ici. Alléluia. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Voilà. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. La miséricorde du Dieu de son salut. La miséricorde vient quand? Quand on confesse, on se repent, on pleure, on gêne même pour ça. Vous voyez? Et enfin, vous faites un vœu. Vous prenez devant vous quoi? Cette parole pure que je vous prêche ici, sans compromis, sans sentiment quelque part. Non. Il m'arrive à faire ça aussi plusieurs fois. Comme le saint prophète nous le dit. Nous ne sommes pas des gens à soutenir des doctrines sous soleil. Non. La parole, rien que la parole. Notre doctrine, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous venons avec la révélation du jour. Pas pour influencer les gens, pour les garder captifs, non. Pour les ramener à devenir comme lui. On termine. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. La miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque et de ceux qui cherchent ta face, la face de Jacob. Donc, de Dieu de Jacob. Voilà. Pause. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-le. Porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Je ne veux pas entrer là-bas, c'est déjà un enseignement. Qui est-ce? Roi de gloire. L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Tous les combats qui puissent vous arriver. Celui qui est puissant dans les combats, c'est l'éternel Dieu des armées. Les justes juges, les justes suprêmes. Voilà. Il s'élèvera, Jehovah Tikeno. Amen. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est-ce roi de gloire? L'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il va faire son entrée où? Voilà ce que nous avons dit au début. C'est vous qui êtes le temple du Seigneur. Il est là dans Apocalypse chapitre 3, 20. Il frappe à la porte. Celui qui attend, il ouvre. Il entre. Vous comprenez? Il faut faire ça. Demain chez toi, Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui la garde, qui les garde. C'est lui qui a ma parole, qui sont les commandements du Seigneur, et qui la garde. Vous comprenez? Je viendrai à lui. Moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Pas dans le tabernacle, pas dans le temple, pas dans l'église, pas dans l'amphithéâtre. Là où vous allez, vous êtes 1 500 000, 400 000, 200 000, 100. Que Dieu vous bénisse. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Je prie votre temps. Vous allez vraiment m'excuser. Je ne pensais pas vraiment prendre votre temps comme ça. Votre temps est précieux. Mais si vous abandonnez ça pour le Seigneur, c'est vraiment une bonne chose. Arrangez nos vies. Que personne ne vienne pour vous dire que non, vous n'arriverez pas à changer. Non. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui ne change pas. Tous, nous devons changer parce que nous sommes des créatures. D'autres changent pour aller en bas. Nous, nous changeons pour aller en haut. Pour se retrouver déjà en haut. Je vous répète chaque fois ici un chapitre. C'est Ephésiens chapitre
premier verset 3. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain dans sa miséricorde. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Shalom. Bon dimanche chez vous. Bye bye.